Donc on déguste un muscadet, la cuvée Saint-Vincent, c'est ça? Oui, la cuvée Saint-Vincent. La cuvée Saint-Vincent provient de plusieurs clos. C'est une cuvée d'assemblage. C'est une cuvée qui est, c'est un muscadet classique, relativement, je dirais, une cuvée aromatique, alors qui est produite sur un cépage qui s'appelle le melon de Bourgogne, 100% melon de Bourgogne. Les terroirs sont, il peut y avoir plusieurs types de terroirs, Gabbro, Gneiss, qui assemblent cette cuvée. Et elle est, en général, les vendanges se passent au mois de septembre. Oula. Bonjour. Entre. Je continue? Bah oui. Oui. Oui, alors c'est une cuvée oui, vendangée au mois de septembre, mais qui est élevée jusqu'au mois de mars sur sa lie de fermentation. OK. Hein? Et. Et donc c'est un vin qui peut être gardé Oh, c'est un vin qui pendant peut 2, 3 garder. ans. Oui, voilà, 3-4 ans, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une cuvée qui a une aptitude à vieillissement. C'est un vin quand même qui doit se boire relativement jeune. Hein. Hein, OK. c'est pas, ce n'est pas une vieille vigne. Hein. Et bon, c'est un vin qui, Muscadet, se boit facilement avec les fruits de mer, les huîtres, les crustacés, les poissons. Hein. C'est vraiment le vin idéal pour tous ces produits, hein, en fin de compte. Hein.